So we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 en zombie sur la map The Darkest Shore. Aujourd'hui je vais vous présenter comment avoir le pack-a-punch. Alors la première étape va être d'avoir l'électricité, donc pour tous ceux qui ne savent pas, je vous invite tout de suite à cliquer en haut à droite pour regarder le tuto que j'ai réalisé pour l'électricité. Et pour tous ceux qui ont déjà réussi, je vous invite tout de suite à commencer. Vous vous trouvez sur la plage, il y a soit un côté où vous pouvez passer, soit une sortie où il y a une petite barricade. Et bien il faut aller de ce côté là, vous devez appeler un wagon qui va arriver, et une fois que le wagon est arrivé, vous allez devoir payer 250, donc là vous allez faire le trajet. Attention, il va y avoir des bombardiers, donc sur le trajet vous allez devoir tuer quelques bombardiers. Essayez d'en tuer quelques-uns, pas forcément tous, mais si vous n'en tuez aucun, vous allez prendre beaucoup de dégâts et perdre potentiellement des points d'armure ou mourir. Et là vous le voyez au bout de la flèche rouge, il y a un petit tube vert que vous allez devoir ramasser quand vous passez dessus, donc avec votre touche action carré sur PlayStation, X sur Xbox. Et là vous allez avoir réalisé le premier trajet, vous allez devoir en réaliser 3. Donc attention, il ne faudra pas réaliser les mêmes, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment faire pour changer à chaque fois. Donc là, une fois que vous avez réalisé le premier tube vert, vous allez devoir le placer juste ici. Donc il y en a déjà un qui est présent, donc là vous le voyez, vous l'enfoncez, donc il y en a déjà un de présent. Là vous allez placer le deuxième, et maintenant il va falloir trouver le troisième. Pour trouver le troisième, vous allez devoir revenir à la plage, et cette fois vous allez devoir changer de destination. Alors la destination de base normalement c'est le côté vert, et là il va falloir changer en appuyant du côté bleu. Donc regardez, moi j'avais déjà appuyé dans la vidéo, donc c'est pour ça que vous voyez il est déjà du côté bleu. Mais pour changer, pareil, vous appuyez sur votre touche action. Dans le premier trajet de la vidéo, j'étais parti de la plage, j'avais mis le côté vert et j'étais arrivé vers le bunker numéro 1, j'avais obtenu la première pièce. Maintenant il faut que je parte de la plage, que je mette le côté bleu, et cette fois je vais arriver vers le sous-marin, vous allez voir. Là encore, pendant le trajet, pensez bien à récupérer votre petit tube vert. Vous avez donc réussi à en avoir 3 sur 4, il en reste un seul à avoir. Pour obtenir le dernier tube vert, il va falloir se rendre au bunker numéro 1, choisir la destination bleue. Petite particularité pour ce trajet, il va y avoir le tube qui va se trouver en hauteur, donc ça ne change rien, vous appuyez encore sur votre touche dès que ça vous le propose. Mais c'est juste voilà, pour vous donner une idée, et juste pour vous montrer que le tube se trouve en hauteur. Donc voilà, ne vous attendez pas à le chercher par terre, il se trouve dans la petite boîte, donc en fer. Et une fois que vous aurez réalisé ce trajet, vous pourrez aller construire le pack-a-punch qui va se trouver donc là où je vous ai montré, là où vous devez placer les tubes verts. Et bien vous allez les placer, et une fois que les 4 seront placés, vous allez avoir le pack-a-punch dans l'ascenseur au bout du pont, et vous allez pouvoir améliorer vos armes pour 5000 points. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, je réponds à tout le monde le plus rapidement possible, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.